Amen et quelqu'un peut acclamer pour la gloire de son roi. Pour son roi, c'est lui qui lui a donné les souffles et les vies. Quelqu'un peut dire, le Seigneur est bon dans sa vie. Acclamez, acclamez, il t'a donné le souffle de vie. L'aimer là, bien-aimé, ça ne t'appartient pas. Acclamez pour ton Dieu, acclamez pour ton Dieu. Alléluia. Tu es notre Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances, bien-aimé. Il est merveilleux, il a toujours raison. Même quand tu vois que rien ne marche, du Seigneur, tu as toujours raison. C'est pas grave, il est notre Dieu. Maintenant, nous passons au moment, est-ce que quelqu'un veut chanter pour son Dieu ou quelqu'un veut témoigner le bienfait, ce que Dieu a fait dans sa vie, veut témoigner ça. Ou il veut chanter pour la gloire de l'Éternel. On laisse la place pour Papa Emani. Nous acclamons pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je voulais chanter une chanson qui est en portugais, que Dieu m'a inspiré. Et la parole, ça se trouve dans le livre des Jean 10, pardon, où la Bible dit, le voleur vient pour dérober et détruire. Et alors, si ce n'est pas pour cette parole-là qui peut m'assurer que c'est en Jésus que je devais me confier pour que je puisse sauver la vie, parce que la suite des chansons, je vais chanter, dit que non, j'ai parcouru partout dans le monde, je n'ai pas trouvé la paix. Il n'y a qu'à Jésus. Quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, et à ce moment-là, j'ai eu la paix. O ladrão soube roubar, matar e destruir. O ladrão soube roubar, matar e destruir. O ladrão soube roubar, matar e destruir. O ladrão soube para 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 roubar, matar e destruir. Canta o ladrão. O ladrão soube para roubar, matar e destruir. O ladrão soube para roubar, matar e destruir. Até neste mundo não encontrei a paz. Até neste mundo não encontrei a paz. Andei neste mundo, não encontrei a paz. Andei neste mundo, encontrei a paz. Andei neste mundo, não encontrei a paz. Acertei Jesus, nele encontrei a paz. Andei neste mundo, não encontrei a paz. Andei neste mundo, não encontrei a paz. Andei neste mundo, não encontrei a paz. Acertei Jesus, nele encontrei a paz. Oh, o ladrão soube para roubar, matar e destruir. 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 Até neste amor. Não encontrei a paz. Andei neste mundo, não encontrei a paz. Andei neste mundo, não encontrei a paz. Acertei Jesus, nele encontrei a paz.
Amen. On laisse la place pour la sœur Chance. Mais sœur Chance, tu n'as pas beaucoup de temps. Parce que le dimanche dernier aussi, tu avais envie, c'est ça? Donc aujourd'hui, je te laisse la place. Alléluia. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Je vais chanter pour la gloire de mon Dieu parce que les mardis, ça sera l'anniversaire de ma mère. Elle m'a fait 40 ans, donc je vais chanter pour la gloire de Dieu. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Pardonne-moi, ma louange dépend de ce que j'essaie et non tout ce que je sens. Je sais que tu es mon âme. Je vais t'adorer, mon ami, sans pour les temps et les jours. Je sais que tu es mon ami. Adonai, réponds de mon âme et mon ami. Pour que je m'enivre de ton amour. Adonai, réponds de mon âme et mon ami. Adonai, oh, merci de savoir, tu m'es adoré. Adonai, oh, je n'ai que toi, tu es mon tout. Dieu bien-aimé. Rapidement, nous fermons nos yeux pour prier pour la parole. Prie pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci car tu es merveilleux. Je te remercie car tu nous haïs. Tu étais là au premier moment et tu seras là au deuxième aussi. Seigneur, laisse que ta parole parle nous ce soir. Seigneur, que ce ne soit pas ton serviteur que tu as placé, mais que ce soit que ton esprit en lui, Papa, puisse le guider. Car ta parole, c'est la vie, Seigneur. Tout passera, mais ta parole ne passera pas. Conduis-les, Père de gloire. Enlève la distraction dans tous les domaines dans cette église. Et toi, tu puisses te manifester au-delà, et puissamment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, on va laisser la place pour Pasteur, c'est lui qui a la parole de ce soir. Acclamez, manifestez ta joie, manifestez ta joie. Alléluia. 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 Si Jésus est bon, est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia. Non, je dis, si Jésus est bon, est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on, si Jésus est bon, est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu? Non, si Jésus t'a fait traverser la maladie, est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de Dieu? Non, si Jésus t'a donné la vie, est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de Dieu? Oh, si Jésus t'a amené en Europe, si tu peux encore acclamer pour la gloire de Dieu. Amen.
Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux faire de même en disant à celui ou à celle qui est à côté de toi, dis-lui, le diable c'est un menteur. Parce que toi, tu dois réussir. Alléluia. Nous allons réussir au nom de... Tu dois réussir au nom de... Alléluia. Dieu est bon, j'ai béni l'Éternel pour la grâce, pour l'amour, l'opportunité qu'il m'a offert encore une fois d'être devant vous. Vraiment, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Quand je dis c'est une grâce, c'est vraiment, vraiment une grâce. Ni t'étais par la grâce de Dieu, je ne pourrais ni être devant vous et ni bénéficier de cette opportunité. Beaucoup, ce matin même, ils n'ont pas eu l'opportunité de se réveiller. Alléluia. Et malgré des calamités, des réalités, Dieu nous a fait grâce, encore une fois, de venir devant sa présence. Laisse-moi te dire, l'Éternel a planifié quelque chose de bon. Il y a des fois, quand on regarde les autres, ça peut nous rendre tristes. Mais ne regarde pas à côté de toi, mais aie les yeux fixés vers l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Je fais confiance à Dieu. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que nous faisons confiance à Jésus de Nazareth? Est-ce que nous faisons confiance qu'il est réellement mort et ressuscité? Est-ce que nous croyons que nous sommes dans les véritables? Alléluia. Laisse-moi te dire, si quelqu'un a un chef ou a un grand responsable, ça lui donne l'espoir en sachant que si j'ai un problème, mon responsable agira ou il va faire quelque chose pour moi. Si tu as quelqu'un que tu comptes sur, il est élevé en dignité, tu sais, lorsque j'aurai un problème, l'intervention de cet homme-là sera très précieuse pour moi. Alléluia. Et ma Bible m'apprend que dans le ciel, au ciel, il y a un homme, il y a un roi qui intercède jour et nuit à ta faveur. Oh, j'aimerais que tu sois rassuré, car il y a un roi, il y a un homme qui intercède jour et nuit à ta faveur. Alléluia. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu, avant vraiment de progresser, c'était difficile avant d'avoir Dieu et de compter sur certaines choses ou d'espérer. Vous savez, pour nous qui a eu l'opportunité de venir en Europe, à l'époque, c'était plus facile de venir en Europe si tu as quelqu'un. Alléluia. L'autre là va te faciliter la tâche pour venir. Mais laisse-moi te dire que Dieu est capable, même si tu as personne, si tu as Dieu, si nous avons Dieu, Dieu est capable de dépasser des limites que quelqu'un puisse t'aider. Et David disait, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mais il a fini par comprendre, le secours viendra, quel est l'Éternel, celui qui a créé les ciels et la terre. Alléluia. Je crois, lorsque tu tentes à faire quelque chose, tu rencontres des difficultés, des limites, sache toujours, au-delà de ta capacité, de tes relations, de ta famille, tu as un Dieu. Là où personne ne peut entrer pour t'aider à signer un dossier ou un document, l'Éternel est capable de le faire pour toi. Et pour faire confiance, pour avoir confiance à quelqu'un, on a déjà des résultats qui nous obligent à avoir confiance à cette personne-là. Ce qu'il a fait lorsque j'étais au Congo, ce que les médecins ont fait lorsque j'étais malade, cela nous donne l'espérance. Alléluia. Que si je le vois encore, il y aura des choses nouveaux ou nouvelles. Laisse-moi te dire une chose, si tu es venu ce soir, tu es venu à la rencontre des rois des rois. Tu es venu à la rencontre d'un sauveur. Et j'aimerais te dire, si tu es vraiment sûr de ton Dieu, jamais tu rentreras de cet endroit de-ci. Parce que Dieu sera ta récompense. Jésus va te donner, il te donnera ce que ton cœur désire. Le message de ce soir, peut-être tu as déjà réussi cela plusieurs fois. Peut-être tu as entendu parler de cela déjà. Parce que c'est un langage courant qui se dit aussi dans la vie. Mais laisse-moi te dire, tu peux le dire d'une manière charnelle, tu échoues.
Mais lorsque tu prends ce langage, tu connectes ça à Dieu, Dieu fera quelque chose de grand dans votre vie. Nous allons lire dans Romains, répétez Romains. Romains chapitre 5. Nous allons lire les versets 4 et 5. Romains chapitre 5, versets 4 et 5. Je lis au nom de Jésus. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire est l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. La persévérance, la victoire dans les épreuves, et cette victoire amène l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Lorsque l'espérance est là, l'espérance nous a été, c'est par l'amour, que l'amour de Dieu, que l'espérance nous a été donnée. Le Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu nous donne une conviction, mais donne une conviction de continuer toujours à espérer. L'espérance, la victoire. Sans l'espérance, on ne peut pas accéder à la victoire. Il y a des choses qui sont séparées, il y a des choses qui sont distinctes. Mais pour arriver à la victoire, il faut espérer. Et lorsqu'on espère, l'espérance nous donne l'accès à la victoire. Et lorsque nous avons la victoire, si nous avons l'espérance et l'espérance, l'espérance ne trompe point. Cela veut dire, celui qui espère, l'amour de Dieu s'opère en elle ou en lui. Celui qui espère prouve que la victoire, l'accès, il aura l'accès sur la victoire. Étant donné que le Saint-Esprit nous a été donné, livré à nous. Cela nous met à nous l'espérance. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu n'as pas encore reçu? Qu'est-ce que tu n'as pas encore eu? Que tu veux avoir. Mais par contre, tu veux la victoire, tu oublies l'espérance. Je veux la victoire, mais j'oublie l'espérance. Le Saint-Esprit nous a été donné, t'a été donné par l'amour que nous avons le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. L'espérance fait en sorte, si je te dis dans ma main, il y a une puissance. Si tu n'espères pas, même si tu es malade, tu ne verras qu'une main. Mais si tu sais qu'à travers cette main, Dieu peut l'utiliser pour que tu accèdes par rapport à ton excellence, à ton espérance, accéder à la victoire, Dieu te donnera la victoire. L'espérance et la victoire. Laisse-moi te dire, il y a des choses que j'aime dans la foi. Ce sont des choses strictement invisibles. Mais ça ramène des choses ou des réalités vivantes dans la vie d'une personne. Entre autres, il y a l'espérance, il y a la foi, il y a la prière. C'est strictement invisible. Mais ce sont des choses qui ramène des choses invisibles, qui deviennent visibles à cause de l'expérience. Oh, j'espère. C'est que si l'homme te regarde, l'homme va te voir à la manière dont je te vois. Mais je te regarde dans les vecs des yeux de foi, avec espérance. Je ne sais, tu ne seras pas ainsi toute ta vie. Or, en ce qui concerne la foi, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible nous dit, la foi, c'est une ferme assurance, démonstration de choses qu'on espère, celles que je ne vois pas. Je ne vois rien, mais j'espère que j'aurai. Je ne touche pas, mais j'espère que je verrai au s'accomplir. L'espérance. Or, avant de parler de la foi, lorsqu'on définit la foi, on parle de l'espérance.
Et si nous pouvons espérer, même si les choses seront difficiles, compliquées, il y aura même des échecs, mais cela ne nous empêchera pas de continuer à espérer. Même si les choses seront, l'eau sera trouble, le vent, la tempête va souffler. Lorsqu'on va avancer, on aura des difficultés, on va se poser des questions. Mais quelles sont les choses qui doivent arriver devant? Mais on ne cessera jamais d'avancer, car nous espérons que notre Dieu est réel. L'Esprit de Dieu est là et que Dieu nous conduit et Dieu va ramener. Des choses impossibles seront possibles au nom de Jésus-Christ. J'aimerais encore revenir un peu en arrière. Comme je disais que l'espérance, notre thème s'intitule l'espérance à l'éternel. L'espérance est un langage aussi qui se dit dans ce monde. Il y a même un langage que j'aime bien. On dit l'espérance fait vivre. Je pense que c'est l'espoir ou l'espérance fait vivre. L'espoir fait vivre, alléluia. Or, lorsque nous parlons de l'espoir et de l'espérance, ce sont des choses qui sont un peu trop proches. Et selon la définition de ce monde, on a dit sentiment de confiance en avenir à des choses qui viendront. Sentiment de confiance. Avoir l'espérance ou l'espoir, cela veut dire tout simplement, c'est un sentiment de confiance que non, des choses vont arriver, des choses viendront, des choses, oh, c'est là, j'aurai, je vais toucher cela, je vais arriver. Alléluia. Nous allons arriver si nous avons l'espérance à notre Dieu. Si le monde peut espérer, et sans pour autant compter sur Dieu, et avoir ce sentiment de confiance que des choses à venir viendront, combien à plus forte raison vous et moi qui espère à l'éternel. Combien à plus forte raison vous et moi, l'église de Dieu, que nous savons que l'Esprit de Dieu nous a été donné. Étant donné que l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu opère. Oh, des choses impossibles deviendront possibles à cause de mon espérance. Parce que j'ai la foi. Et la foi me donnera la victoire. Peu importe ce que je traverse ou ce que je vis, tant que je compte sur Dieu, tant que nous espérons à l'éternel, nous allons accéder, nous allons toucher. Laisse-moi te dire, lorsque le monde nous observe, lorsque le monde nous regarde, le monde peut te placer là où il pense, sans pour autant tenir compte de la volonté de Dieu. Mais ton espérance fera en sorte que tu atteignes la victoire, au-delà des capacités ou des pensées humaines. Oh non, que tes pensées vont dépasser de telle manière que tu puisses atteindre la victoire. Espérer, c'est un premier pas. Espérer veut dire tout simplement, je vais atteindre la victoire. Mais lorsque tu espères, si tu as la foi, tu atteindras la victoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est-il prêt à recevoir la connaissance spirituelle? Est-ce que quelqu'un est-il prêt à recevoir la définition de l'esprit? Est-ce que quelqu'un est-il prêt à recevoir des choses surnaturelles de l'éternel? Alléluia. J'aimerais revenir encore à la définition sur le plan spirituel. Je dirais tout simplement que l'espérance, c'est une attente de quelque chose, de bien qui va se produire, quel que soit le moment de la vie. Je reviens encore. L'espérance, c'est une chose. Quelque chose, c'est une attente, oui, ce n'est pas encore arrivé, c'est une attente de quelque chose, de bien qui va se produire, qui va se produire, quel que soit le moment de la vie. Oh, je crois que quelqu'un espère. Laisse-moi te dire, tu as espéré l'Europe, Dieu t'a amené à l'Europe. Mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu, sache une chose, bien que tu aies déjà touché la partie, Dieu nous donne seulement à moitié. Alléluia. Non, Dieu nous donne seulement une partie. Ce que tu as eu, si tu as déjà reçu la guérison, Dieu t'a donné seulement une partie. Si Dieu t'a amené en Europe, Dieu t'a donné seulement une partie. Si Dieu t'a rendu joyeux, parce que Dieu t'a donné seulement une partie. L'espérance veut dire tout simplement, j'attends encore des choses, quelque chose de bien qui va se produire, qui va arriver. Peu importe le moment, peu importe le temps, cela ne regarde pas les hommes, cela ne regarde pas la pensée humaine. Lorsque j'observe à l'éternel, je ne vois plus mon âge,
Je ne vois plus ma personne. Je ne vois plus ce que j'ai déjà accompli. Je ne vois plus ce que j'ai déjà réalisé. Je compte sur Dieu. Je sais que peu importe le temps, peu importe le moment, quelque chose de bien va arriver. Quelque chose de bien va se produire. Même si des gens parlent, même si la médecine me dit que ça ne va plus arriver. Mais moi, je crois. Alléluia. Moi, je crois que ça va arriver. Moi, je sais que quelqu'un est arrivé là. Je ne comprends pas vraiment. Oh, je vais parler à Abraham ce soir. Je vais parler à Abraham. C'est un homme qui espérait à Dieu lorsqu'il a reçu la parole. Oh, celui qui peut espérer à la manière de l'Éternel, c'est seulement une personne qui a reçu la parole de l'Éternel. Oh, celui qui a reçu la parole, ma Bible me dit que la parole que je vous donne est esprit et vie. Que la parole de Dieu te donne d'abord le Saint-Esprit de Dieu. Que la parole de Dieu te met en toi aussi l'Esprit de Dieu. Que la vie entre en toi. Tant que tu n'as pas, tant que tu as Dieu, avant que tu meurs, quelque chose de bien doit arriver. Continue à espérer. Tant que tu n'as pas touché, espère encore. Même si tu marches à pied, espère encore. Même si tu as faim, espère encore. Quelque chose de bien doit arriver. Je parle à un enfant de Dieu aujourd'hui. Ne désespère pas tant que tu crois à cette parole. Lorsque la parole le sort pour toi, lorsque la parole est déclenchée pour ta vie, cela ne rentre jamais. Ça produit des effets dans votre vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Oh non, comme tu n'es pas là, quelqu'un peut dire un grand amen. Je parle d'Abraham. Laisse-moi te dire, j'aime dire, Dieu aime parler aux hommes ou aux femmes de foi. La parole de Dieu ne peut pas te déclencher n'importe où. Il y a des endroits que je peux arriver à te prêcher la parole de Dieu. Tu ne sauras pas recevoir cette parole. C'est pour cela que Jésus a dit à une femme, la nourriture des enfants, on ne donne pas ça aux chiens. Oh non, j'ai béni un enfant de Dieu qui reçoit cette parole. J'ai béni un enfant de Dieu dont cette parole lui est destinée. Si tu es capable, cette femme a dit, des chiens peuvent ramasser par terre. Parce qu'elle a compris l'importance de la parole. Celui qui comprend l'importance de la parole ne lâchera jamais tant qu'il n'a pas touché, tant qu'il n'a pas vu la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, quelque chose de bien va s'arriver. Je ne regarde pas combien de fois que tu as échoué. Je ne regarde pas combien de fois tu as tenté mais rien n'a marché. Mais je regarde l'efficacité de la parole. Lorsque la parole est efficace et libérée pour une vie, c'est pour accomplir quelque chose de bon dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'Abraham était parti, en écoutant et en obéissant à la parole de l'Éternel, alléluia, il a obéi, il est parti. Le temps passé, Abraham ne touchait pas ce que Dieu lui a promis. Mais Abraham n'a pas lâché Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous comptons sur la volonté de Dieu, ne lâche pas Dieu. Alléluia. Lorsque nous espérons à Dieu, n'abandonnez pas Dieu. Ton âge ne dépend pas de la volonté de Dieu. Et ma Bible me dit, l'Éternel s'est présenté en disant, je suis l'Éternel. Cela est mon nom. Et en dehors de moi, il n'y en a point d'autre. Alléluia. Qui croit à cette parole? Si tu crois à cette parole, donnez-moi mon amen. Lorsque Dieu déclare une parole, cela doit s'accomplir. Faisons confiance à Dieu. Si nous regardons les choses selon ce monde, nous allons nous décourager. Mais si nous regardons les choses selon Dieu, nous n'allons pas observer de gauche à droite. Dieu a choisi un endroit. Le néant veut dire l'endroit qui ne peut pas perturber l'espérance d'Abraham. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Dieu vous aime. Dieu t'aime. Et que la grâce de Dieu est avec toi. Que cette parole prenne vie dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la parole de Dieu.
Acclamez. Amen. Nous allons laisser la place pour les chantres et en même temps nous lever pour offrir à notre Dieu. Prenez ton offrande avec toi. On prie pour nos offrandes. Prions au nom de Jésus, bien-aimé. Éternel, merci encore une fois pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu as préparé pour nous ce soir. Yahweh, c'est le moment de l'offrande, Père de gloire. Laisse que tout le monde qui a préparé quelque chose, Père de gloire, pour mettre dans cette panne.